Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dead by Daylight. Alors aujourd'hui, nouveau chapitre dans ce format guide des trophées et c'est le chapitre A Binding of Kin. Donc là, on est parti pour 6 trophées. Donc premier trophée de ce chapitre, mission de sauvetage. Donc là, il faut étourdir 5 fois le tueur avec une palette pendant qu'il transporte un autre survivant. Mais attention, il y a un timing à respecter. Si tu le fais trop tôt, le tueur ne sera pas étourdi et tu ne sauveras pas le survivant. Deuxième trophée, la fin du monde. Donc là, il faut suspendre 15 survivants pendant le sprint final. Donc le sprint final, c'est quand vous avez la barre, le timer en haut. Donc ce timer, il s'affiche à partir du moment où la trappe a été fermée ou alors qu'une des deux portes a été ouverte. Troisième trophée, la maîtrise des jumeaux. Donc pour ça, il faut faire une victoire impitoyable avec les jumeaux en utilisant seulement ces trois compétences. Les trois compétences sont écureuil, oppression et coup de grâce. Quatrième trophée, chat perché. Donc là, avec les jumeaux, il faut abattre 10 survivants pendant que Victor leur grimpe dessus. Donc vous jetez Victor, il va grimper sur le dos du survivant. Et après, vous reprenez Charlotte et il vous faut tomber ce survivant. Cinquième trophée, hyperactif. Alors là, il faut équiper 0 compétence, réparer entièrement un générateur et s'échapper de la partie. Et ça, il faut le faire à 8 reprises. Donc je te cache pas, ce trophée là, il est un peu compliqué, c'est pas évident de jouer sans compétence. Donc là, il va te falloir pas mal de games pour le réussir, ce trophée. Sixième et dernier trophée de ce chapitre, la maîtrise d'Elodie. Pour ça, tu dois t'échapper d'une partie publique avec Elodie en utilisant seulement ces trois compétences. Ces trois compétences qui sont bras de fer, supercherie et estimation. Donc voilà, on en a fini pour ce chapitre. Donc honnêtement, pas très compliqué le chapitre, mis à part le trophée hyperactif qui peut être un peu embêtant, qui peut prendre un peu de temps et qui demande beaucoup de patience. Sur ce, j'espère que ce guide va t'aider et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dead by Daylight.